Ce résumé vous est proposé par Expedia. Et Mastercard, sponsor de l'UEFA Champions League. Ça, c'est quand même la surprise du chef aussi, hein, Pedri. Que... Oh, elle est belle, elle est belle, elle est parfaite. Il va passer là maintenant, une fois ou pas. Oui, ouh, l'arrêt de Navas. Ouh, l'arrêt de Navas à la 18e, Benoît. Ça, c'est peut-être déjà l'un des tournants de la rencontre. Oui, c'est un des tournants. Et encore une fois, Dembélé qui appelle et qui est magnifiquement bien servi. Et donc, vraiment, encore une possibilité incroyable. Sa conclusion, c'est impressionnant de voir ce joueur capable de faire la différence. Bien joué Griezmann. Ah, il faut peut-être parfois... Oh, Dest là, qui est complètement seul, complètement oublié. Et Kurzawa, je rappelle qu'il est averti déjà, Kurzawa. Il va se faire avoir là. Et oui, il va se faire... Oh, la latte ! La latte et la main de Navas. Mais là, Kurzawa, il est à la rue là pour l'instant depuis le début de la partie. Ce qui n'est évidemment pas le cas de Dest. Ils sont diamétralement opposés au niveau de leur courbe de forme, ces deux-là. C'est pas mal ça, Kurzawa. Oh, elle est belle. Oya, qu'est-ce qu'il y a? On est tombé, là, Icardi. Attention, attention. Est-ce qu'il y a quelque chose ou pas? Non, il n'y a rien eu. Non, non. Ben non. Pour moi, je ne le sifflerai pas. Ben, moi, il faut le siffler, Benoît. Il fait une faute. Il y a une faute. Il va le donner, Benoît. Il va le donner. Mais oui, bien entendu qu'il va le donner. On va voir. On va voir. Parce que ce sera un signe. S'il le rate, ou si Ter Stegen l'arrête, ça, c'est peut-être un signe. Celle-là va la chercher. Impossible. Bon, eh bien le schéma est simple. Il faut pour le Barça en mettre 4. Oui, il fallait déjà en mettre 4 pour être qualifié. Là, il faut en mettre 4 pour avoir les prolongations. Ça en prend un deuxième. De Jong. C'est un peu dommage de se priver de De Jong. Il faut qu'il est talonnate. Il en a fait 4. Il les a ratés toutes les 4. Il n'y a pas de faute là. Il n'y a pas de faute. Mbélé, il regarde, où est Messi? Il est de l'autre côté, Messi. Pedri l'a vu. Alors, est-ce qu'il peut accélérer? Frapper? Oh oui! Oh! Quelle patate! Magnifique. Belle patatasse, oui! Oh là là, quelle frappe! Mais quelle frappe venue de nulle part! Ah oh là 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 là, Lionel Messi, mais quel joueur! Bon allez, on est regardé ça. C'est splendide vraiment. Et qui est aussi depuis le début très très bon. Hyper concerné contrairement au match aller. Bonne balle encore avec Dembélé. Allez prendre le bon choix maintenant. Regardez la possibilité avec une frappe, mais c'est pas vrai. Incroyable. Busquets qui a tiré en dehors de la surface de réparation. C'est quasi du jamais vu ça. Et allez Griezmann. Non. Manque d'inspiration là, il n'y a rien du tout. Ils vont jouer, Jordi Alba. Est-ce qu'il va mettre ce ballon dehors, Dembélé? Il y a eu un choc, hein, ça c'est sûr. Et là, Busquets. Non. Ah, il était cherché encore Messi. Ou Griezmann, il y a pénalty. Il le donne. Il donne le pénalty pour cette faute sur Griezmann. Mais voilà, il ne faut pas forcément être flamboyant pour être percutant et peut-être responsable d'un nouveau chapitre de l'histoire catalane. Tout ça, Navas, incroyable. Incroyable Keylor Navas, mais là franchement, qu'on arrête de demander à De Gea de venir, parce que lui, honnêtement, il n'est pas bien tiré. 174 à 520, il faut voir les passes aussi, hein, lesquelles c'est. Hein. Oui, ça celle-là par exemple c'est beau. Ah, les feintes de corps, Paredes qui s'est fait avoir là-bas, mais comme un bleu, Griezmann. Ouais, avec Alba. Oh, elle est belle, elle est magnifique, c'est goal ça. Oh non, le retour de Marquinhos. C'est pas vrai, mais quel retour. Mais il est maudit, Messi. Il est maudit dans ce match. C'est pas possible. Il y a le pénalty, et puis là, maintenant, cette occasion. Mais c'est même pas 3 étoiles, c'est 1 milliard d'étoiles. Il est surpris, je pense. Alors, Busquets.
Oui, pas mal celle-là. Pas mal du tout. Encore Navas. Navas ou le poteau? C'est Navas pour moi. Mbappé, lui, il va passer. Extérieur, ah oui, ça c'est un grand classique. Aïe! Et pourtant, l'anglais, il le connaît. Hein. Fin du match, sur le score de 1 but partout entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. Et donc... Ce résumé vous a été proposé par Expedia. Et Mastercard. Sponsor de l'UEFA Champions League.